Docteur Hervé Bonamour aimait rouler seul sur ses terres, à toute blinde, dans sa déesse noire, hurlant à la fenêtre des symphonies de Rachmaninoff, des quatuors de Mozart, toute vitre baissée, été comme hiver, afin de pouvoir humer, truffe au vent, l'herbe, la pluie ou le sec, le gibier tapi dans les futaies et l'odeur des femmes à large croupe qui déambulent dans les cours des domaines, un panier sous un bras, une poule sous l'autre, qu'elles vont immoler pour le dîner. De là où il se trouvait, Hervé sentait même la peur de la volaille, l'aigreur que sa peau et son plumage sécrétaient. Hervé disait de lui qu'il était un chien de chasse, un chien qui fume la pipe et conduit une voiture. Lancé sur l'asphalte, celle-ci jetait au fond de ses cuisses les vibrations souterraines, le moindre soubresaut tellurique. Son ventre était un sismographe, son cœur une alouette qui s'envolait dans le ciel, comme un chaman. Hervé captait les phéromones en suspension dans l'air. Ce sorcier blanc reconstruisait ses forces aux ondes qui le traversaient. Cette sorte d'animal instruit et cultivé avait cette propriété de s'ériger au parfum secret des vendangeuses que son flair infaillible détectait avant même que son œil d'aigle ne les découvrît accroupis sur l'horizon entre deux rangées de vignes. L'automobile fendait le paysage en le tatouant, pour bien marquer qu'ici, Hervé était chez lui partout, car il n'était pas seulement un chien de chasse, il était aussi un notable de province, un médecin, un fils de bourgeois qui serait bientôt maire de la ville, et peut-être encore si, le croyait-il, il savait forcer la chance comme il forçait les femmes pour la ranger de son côté. Cela dit, il régnait déjà en jeune monarque sur ces arpents de terre que forme le canton de Saint-Sauveur, ses plaines marneuses et ses coteaux poreux où le pampre enlace le calcaire, car ses entreprises donnaient et donnent encore aujourd'hui, malgré ce qui est advenu, du travail à toute la commune et à ses environs. Celui qui aurait eu le culot de s'opposer à lui se serait vite retrouvé sans emploi. Son père l'avait imaginé empereur. Et dans le but jamais atteint de lui plaire, Hervé ne trouverait pas à s'étancher, à étancher sa soif de pouvoir sur la terre comme sur les hommes. Quand il détiendrait la ville, il rêverait d'une circonscription. Il ne laisserait passer aucune des occasions qui ne tarderaient pas à se présenter à lui, quitte à intriguer pour les saisir, quitte à payer un jour ou l'autre ses manigances au prix fort. Hervé voyait dans les Saint-Sauvériens qui lui devaient leur salaire des sujets qu'il écrasait despotiquement de tout son poids de muscles, de son épaisse stature d'os et de viande, de près de 2 mètres de haut et de toute sa force de persuasion, car c'était un tribun sans pareil. Il alternait de façon imprévisible gentillesse et réprimande, largesse et coup de gueule. De toute façon, il finissait toujours par plier chacun à sa loi. Quand il aimait quelque chose ou quelqu'un, Hervé avait pour habitude de se l'acheter. Les bois, les vignes, la scierie, et plus tard sa femme.